Seigneur Zorgro. Combien vous croyez ? Bien trop. Il n'y a aucun honneur à cela. Nous allons en payer le prix. Il se vengera. Mon père, Ekadzi, il a combattu avec vous autrefois. Il m'a raconté vos exploits, comment vous découpiez 10 ennemis d'un seul coup de hache. C'est ma première bataille. Qu'est-ce que je dois faire ? Restez en vie. Oui. Bien sûr, mais si je tombe, ce sera avec honneur, dans un glorieux combat. Il n'y a aucune gloire à tirer. Que de la souffrance. Vous allez faire quoi ? Ce qui doit être fait. Laisse-moi. J'ai dit laisse-moi. Tu dois vivre. Fais donc voir ton père. Je peux pas. Il est mort. La Horde. C'est tout ce qu'on a. Savoir, c'est ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Abandonne, jeune troll. Comme vous. Il faut se battre. Sans armure.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu justement de cette cinématique sur Battle for Azeroth et concernant eh bien un orc qui... J'ai même envie de dire juste un orc. C'est vrai que ça nous avait manqué, mais enfin, depuis je dirais, enfin honnêtement, on va... Il n'y a pas des milliards de choses à dire dans cette vidéo, contrairement par exemple avec Teldrassil, etc., où il y avait beaucoup d'analogies, beaucoup de parallélismes à établir et à évoquer. Sur cette vidéo, on va commencer par le basique, mais ensuite, il faut quand même avant tout que je vous parle de quelque chose, c'est que je... Peut-être que certains ne le savent pas, mais je pense que beaucoup le savent. Je suis un... J'ai commencé Warcraft avec Warcraft 2. Donc forcément, j'en ai vu passer de l'orc très charismatique. Dans Warcraft 2, vous aviez Orgrim Doomhammer, vous aviez Grommelscream, Kargath... Kargath Bladefist. Nous avions Killrog, etc. Killrog Deadeye, etc. Donc c'est vrai que... On a vu passer des sacrés orcs. Dans War 3, on a Thrall, bien entendu, qui incarne... ce qui se fait de mieux chez l'orc. On avait également Nazgrel, après j'ai dit Rexar, mais c'était un demi-orc, donc c'est pas tout à fait aussi bon. Mais on avait Drektar, on avait encore une fois Grommelscream. On avait du monde, et c'est vrai que voir ça, c'était super, c'est super intéressant. Ce qui m'a gêné un petit peu dans World of Warcraft, quand t'as commencé avec Vanilla, t'avais encore Thrall, etc. Et du coup, c'est vrai que tu avais tout de suite cette osmose. Le problème, c'est que dans Vanilla, on n'avait pas forcément les plus belles. On n'avait pas un arc narratif superbe qui pouvait développer tout. Et ce qui fait que World of Warcraft a développé certains personnages sont nés dans World of Warcraft. Et c'est ce que j'appelle les sous-persos en fait. Et c'est par exemple... Alors je sais, je vais me faire des ennemis là-dessus, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Tyrion, de Varrok, de machin. Mais pour moi ça a toujours été de Daryon, de Bolvar, etc. Pour moi ça c'est des sous-personnages en fait. C'est des personnages sans charisme qui ressemblent à ce qu'un joueur peut faire de son côté, qui est tout simplement un archétype. Donc il n'a pas vraiment une histoire... Enfin, Tyrion, c'est le paladin lambda. Bolvar, c'est le chevalier lambda. Sorfang, à la base, c'est l'orc... Enfin, Etrigue, l'orc lambda. À part le lien avec Tyrion pour montrer voilà, le côté PVP, mais sans l'aide vraiment. Mais genre, sinon, c'est vrai que... Pour moi, on a perdu ça. Garrosh avait ramené un petit peu le côté orc vraiment primaire. Mais Garrosh, pour moi, donc attention, je suis pas en train de dire que tous les persos de WoW c'est de la merde. Je veux dire, par exemple, le Gil'neas Greymane, si vous avez regardé ma vidéo sur Greymane, Greymane il était dans Warcraft 2, mais rien n'était développé sur lui. C'est World of Warcraft qui a développé le personnage et c'est super intéressant. Varian, très intéressant. Garrosh, le début était intéressant et c'est. Bon, après, le personnage est né d'un fanservice un petit peu trop rapide, mais du coup, c'est vrai qu'il est parti un petit peu en cacahuète, mais. Il y a eu des personnages intéressants. Sorfang, pour moi, a toujours été une espèce de détrigue, un sous-orc, un truc qui a pas de charisme. Et pour moi, quand on me disait « oui, le représentant orc, etc. » Je veux dire, quand vous avez connu Nazgrel, et Nazgrel, c'est pas non plus le top, hein, bien entendu, parce que bon, le vide de Grommelscream, on l'a senti aussi avec la mort de Grommelscream dans War 3. Mais dans Frozen Throne, par exemple, quand on faisait la campagne avec Rexar, bah, c'est vrai que Nazgrel, hein, Nazgrel... grands oubliés de World of Warcraft, mais Nazgrel, vous savez, c'est le mec, c'est le commandant de la légion de la Horde pendant Burning Crusade en Draenor, qu'on n'a jamais revu. Mais du coup, c'est bien dommage parce que c'était quand même censé être le bras droit de Thrall une fois Grommelscream mort. Juste ça, rien que ça. Donc c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que du coup, cette cinématique a ramené un petit peu en moi des souvenirs de l'ancien temps, je dirais, avec. N'oublions pas que la Horde, j'adore la Horde de Thrall, c'est la Horde avec la Horde de la tolérance, la Horde de l'honneur, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo de Samuro si vous voulez plus de détails sur la construction de cette Horde-ci, parce que c'est vraiment, voilà, c'est Thrall qui a donné, qui a redonné un sens à la vie de personnes, de plein de personnes, des différents clans orques, etc. Je rappelle que Sorfang fait partie du clan Blackrock à la base, on en reparlera un petit peu, parce que c'est, voilà, ça s'appelle World of Warcraft le vétéran, cette thématique c'est pas pour rien, c'est que Sorfang il est présent depuis Warcraft 1, sans l'être vraiment, hein, dans Warcraft 1, 2, 3, jamais on a entendu parler de Sorfang, donc c'est une création de World of Warcraft, d'un personnage qui avait fait les anciennes guerres, mais qui n'était qu'un personnage au final même pas secondaire, tertiaire, même pas tertiaire, on ne le connaît pas, donc c'était un random. Mais ça, c'est justement, ils ont fait en sorte que ce soit une espèce de conseiller, un petit peu comme a pu l'être Drektar ou Samuro également pour Thrall. Et du coup,
Ce qui est intéressant avec, avec ce personnage, c'est qu'il incarne tout ce que fait la horde de Thrall. Il incarne la plus belle horde à mes yeux, la horde de Thrall, et la horde d'Orgrim qui a changé et qui est devenue la horde de Thrall. La horde foncièrement guerrière, capable du meilleur, mais qui a un but, qui veut faire de l'honneur, etc. Donc vraiment la transition horde de Warcraft 2 vers horde de surtout vers horde de Warcraft 3 et de but Vanilla du coup. Mais ce qui est très intéressant, puisque Sorfang, on le voit au niveau de moi ça m'a remis un petit peu des souvenirs, et je vais être honnête, Sorfang pour moi c'est un sous-orc, et honnêtement cette cinématique, ce physique, enfin aussi un vrai physique qui a de la gueule, qui donne quelque chose, c'est vrai que pour moi ça m'a permis vraiment d'avoir de l'attachement pour ce personnage. J'en ai jamais eu de l'attachement pour ce personnage, pour moi c'était juste un sous-orc, et cette cinématique m'a vraiment interpellé et m'a vraiment fait plaisir et m'a rappelé un petit peu pourquoi dans un premier temps, quand j'étais gamin, quand j'ai joué à Warcraft 2, j'avais kiffé la horde, quoi. C'est... N'oublions pas, voilà, comme je le disais, même si j'adore les trolls, j'adore les tauren, etc. La horde, à la base, c'est des orques. Je suis désolé, hein, mais la horde, à la base, c'est les orques. Et c'est vrai qu'il faut ramener l'orque au devant de la scène. Garrosh étant mort, Thrall étant en vacances agricoles, c'est vrai que... Bah, on n'avait plus rien, en fait. On n'avait plus aucun orque digne de ce nom, on n'avait plus d'Elskrim, on n'avait plus de rien, et c'est vrai que il y avait un vide énorme, donc il fallait remettre un orc au devant de la scène. Assez triste que ce n'ait pas été Nazgrel, ça aurait donné du sang neuf. C'est un orc assez jeune qui aurait pu reprendre un petit peu le flambeau de Thrall, qui était le bras droit de Thrall, qui a tout appris de lui, on va dire. Donc c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, peut-être que Nazgrel reviendra dans le futur. En tout cas, la transition avec un Sorfang qui ramène un petit peu rabiboche toutes les générations qui ont connu Warcraft. La première, celle qui a joué à Warcraft 1, la plus, je dirais, le premier sursaut, le premier réveil avec Warcraft 2, les gens qui ont joué à Warcraft 3 et les gens de WoW, en fait. Donc c'est vrai que ça ramène tout le monde et j'ai aimé. Donc voilà, Sorfang, la cinématique est super intéressante, parce que c'est pas non plus une cinématique de bataille, un truc de ultra épique, mais c'est des doutes, des questionnements, beaucoup de l'éthique aussi. Avec un Sorfang, du coup, je rappelle, un Sorfang qui avait été l'un des lieutenants de Blackhand et d'Orgrim Doomhammer, donc les deux premiers chefs de guerre de la Horde, et ensuite de Thrall. Donc il a connu la Horde assoiffée de sang, manipulée par la démon dans Warcraft 1. Il a su tirer son épingle du jeu d'une Horde tout aussi sanguinaire dans Warcraft 2, mais dirigé par un génie, un chef militaire de renom, et qui était un de ses amis, Orgrim Doomhammer, qui devait aussi faire face aux manipulations, qui a dû faire face à la création de la véritable horde que l'on connaît aujourd'hui. La horde de Warcraft 2, bah, c'est trolls, ogres, c'est gobelins et c'est orcs. Donc c'est vraiment Orgrim qui avait rassemblé des peuples aussi autour de lui, qui avait fédéré autour de lui différentes factions, différents clans, etc. Donc ça, il l'a vu. On a vu après, comme on l'avait vu avec l'histoire de Samuro, un Sorfang qui a découvert un petit peu plus les valeurs que Thrall a inculquées à cette horde, avec un retour au chamanisme et aux anciennes traditions orques. Donc c'est tout ça qui façonne le personnage. On en reparle encore, on en verra après, mais c'est vrai que ça a façonné le personnage et il est lassé un petit peu de... Enfin, il a connu toutes ces guerres, et évidemment cette cinématique se passe après la vidéo de prémisse sur Sylvanas, et juste avant la cinématique d'introduction de Battle for Azeroth. Je vous rappelle, avec cette grande bataille entre Sylvanas et Anduin, etc., devant la capitale. Je vous laisse aller la voir d'ailleurs, parce qu'une fois que vous avez vu cette vidéo, vous n'allez pas forcément avoir le même... Vous allez regarder avec un œil nouveau, je dirais. Mais en tout cas, voilà, Sorfang qui se questionne énormément sur ce qu'il y a à faire. On voit premièrement, évidemment, son fils Dranosh, qui était mort lors de la campagne de Wrath of the Lich King, donc la campagne contre le roi Lich. Il était mort, et en devenant un chevalier de la mort, etc., il avait dû être tué, ce qui avait beaucoup, ce qui avait profondément glacé d'effroi, je dirais, tous les joueurs, parce que c'est vrai que quand tu vois Sorfang repartir, etc., avec son fils, bah, c'était assez tragique. Et c'est vrai que cette vidéo, on avait parlé de prémisse où Sylvanas était un petit peu... On vous apprenait à détester Sylvanas. Celle-ci, on vous apprend à aimer Sorfang. Et moi-même, je suis réceptif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce troll, il n'est pas nommé, mais la communauté l'a surnommé Zappy, parce que c'est lui qui jette les éclairs dans la cinématique de BFA. Et honnêtement, ce troll est intéressant, parce que c'est un peu le relou de service, mais c'est le jeune, on va dire, le jeune classique, le jeune casse-cou, le bleu, on va dire, le bleu de la horde. Et
Je dis pas ça parce qu'il est troll, hein. C'est le bleu, le côté nouveau, le côté enfin nouveau soldat, débutant. Et c'est vrai que on en parlait un petit peu avec Evanessor, et je pense que ce troll est censé. On en a venu à la même conclusion, c'est que ce troll, pour moi, je me suis tout de suite dit, ce qui fait qu'aussi ce troll m'a un petit peu insupporté, mais il représente un petit peu le joueur lambda de la Horde en fait. Il représente le joueur lambda de la Horde, de tous les joueurs de la Horde, on a tous un petit peu ce personnage. C'est Dark Sasuke du 77, non je regarde pas du tout, mais c'est tout simplement le mec un petit peu idéaliste, le voilà qui connaît les récits de guerre de la Horde, qui dit oh là là, Sir Fang, t'es incroyable, oh là là, mon père m'a raconté, tu tues par dizaines, machin, oh là là, enfin le fanboy quoi, le fanboy de la Horde. Et Sir Fang, lui, il est en plein dilemme, il est en plein dilemme interne, puisque bah forcément ce qui le gêne, bien entendu. Alors, c'est très intéressant, c'est justement qu'il est encore en plein dans le doute par rapport à ce qu'a fait Sylvanas à l'Arbre-Monde. Et on va le Voyez, revoir parce que ça, c'est un moment important. bien Donc là, il trop. considère bien sûr qu'il a connu suffisamment de batailles pour savoir que la guerre, que cette bataille-là va très très mal se passer. Ils sont beaucoup trop nombreux pour les forces de la Horde présentes. Ce moment m'a rappelé. Alors, le film, on l'aime ou on ne l'aime pas, on s'en fout, c'est pas le débat ici. Mais il y a un moment dans le film, et il y a un parallèle que j'ai envie de faire, que j'ai vu bah, plusieurs fois. Enfin, après, ça m'a choqué la première fois, mais c'est surtout après, en fait, avec relecture, que je m'en suis rendu compte. Mais ça m'a rappelé quand Gul'dan ouvre la porte des ténèbres et que vous avez les prisonniers de Draenei avec les mains pendues qui essayent de prier pour leur vie, enfin de demander clémence en fait, hein. Et tout comme un Gul'dan qui est assoiffé de pouvoir, et c'est même une insulte, hein, de comparer Sylvanas à Gul'dan, mais Gul'dan là ça fait très Gul'dan. Regardez les mains, regardez pas le premier plan, enfin pas le plan justement qui est censé montrer l'arbre, mais regardez les mains des elfes de la nuit. Vous allez voir, c'est le parallèle avec l'ouverture de la porte des ténèbres et les Draenei qui sont littéralement vidés de leur énergie vitale. Ça m'a vraiment Bien choqué. En trop. fait, et ça c'est un truc aussi qui m'a manqué, je trouve, par rapport à Prémisse. J'en ai pas trop parlé, mais c'est ce qui m'a manqué dans la vidéo aussi. Alors après, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont pas fait pour pas choquer les gens, mais c'est vrai que ce qui manque en fait, l'arbre est en train de cramer. Faut pas oublier, même si les gens ne l'ont pas oublié, faut pas oublier qu'il y a des milliers et des milliers d'elfes de la nuit dans l'arbre en fait, hein, qui sont en train de crever. Et ça, t'es censé entendre une complainte, enfin pas une complainte genre une chanson, mais t'es censé entendre des cris en fait, juste des cris. Enfin, les mecs, enfin j'ai jamais vu quelqu'un le faire en vrai, mais c'est l'une des morts les plus atroces qui soient, être brûlé vif, hein. C'est atroce, et du coup les gens crient en fait, c'est juste normal. Et même les soldats qui sont encore de l'autre côté, là on voit des sentinelles feu de la nuit qui sont en train de mourir, et même en train de mourir, elles sont en train de crier d'horreur par rapport à ce qu'elles voient. Il y a leurs familles qui sont dans les arbres, enfin qui sont dans l'arbre, et c'est Adarnassus, etc. Donc c'est vrai que c'est ce qui me manquait, je trouvais, dans la vidéo d'avant, c'est le... C'était peut-être trop émouvant, mais c'est important, enfin c'est quand même quelque chose d'horrible qui se passe, hein. Et cette complainte rappelle aussi, enfin les cris qu'on entend rappellent aussi le cri de la Banshee, bien entendu. La Banshee, c'est Sylvanas, et la Banshee, elle crie de douleur. Et ça refait un petit peu le parallèle, mais je vous laisse aller voir l'ancienne vidéo pour bien encore plus comprendre, et ça exacerbe ce parallèle. Sylvanas est devenue une Banshee dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances, et on entend cette fois un petit peu le cri de la Banshee. Donc je trouvais que même si c'était un tout petit détail, c'était super bien fait. Et ça Il n'y revient un a petit peu. aucun honneur à cela. Et là, Sir Fang qui montre. C'était une question que j'avais levée en disant voilà, Sir Fang dit rien concernant ce que fait Sylvanas. Cette fois, on a une réponse avec la vidéo Le Vétéran, où justement Sir Fang n'a pas remis en cause les ordres de Sylvanas sur le moment, mais après, donc comme un bon général doit le faire au final, après par contre, il lui explique, mais qu'est-ce que. Enfin, c'était complètement débile. C'était complètement débile. Et pourquoi on fait ça en fait? Ça a aucun honneur. Ça doit le rappeler aussi un petit peu les actes qu'ont pu commettre la Horde, parce que je vous laisse revoir le truc sur Prémisse, mais c'est vrai que la vidéo sur Prémisse, mais c'est vrai que Sir Fang là est choqué de ce qui se passe. Et surtout que c'est toujours mesuré dans le côté stratégique aussi. C'est-à-dire que bien sûr Sylvanas l'a fait stratégiquement, mais Garrosh, pardon, Sir Fang lui aussi répond en disant mais le problème c'est que vous, enfin
Déjà, il n'y a aucun honneur. On crame des, on crame des civils, etc. Nous allons en plus de ça, voilà, on va en payer le prix. Ils vont contre-attaquer, ils vont se venger et on va perdre d'autres endroits stratégiques. Donc, c'était vraiment pas intéressant. Et ils seront encore plus animés de haine par rapport à ce qu'on a fait, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est important et on voit que ce choix et ce qui s'est passé pèse sur la conscience de Sorfang et... Mon père est Kadzi. Il y a deux options possibles. Donc là on s'en fout, bon il est en train d'enlever petit à petit. Au départ je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis dit c'est vrai qu'il enlève son... Il enlève le truc des orques de Warhammer 40 000, hein, la mâchoire d'acier là. Mais à côté de ça en fait il enlève son armure. Et ce qui est très intéressant c'est qu'ici voilà le symbole de la horde. Le symbole de la horde. Et je pense que c'est peut-être ce qui va donner la première théorie. Mais le symbole de la horde, donc qu'il brûle. Le symbole de son fils aussi, l'héritage, son fils qui est mort pour la horde. Il a le collier de son fils, il le met au feu. Il explique voilà, qu'il est complètement lassé, qu'il n'en peut plus, qu'il ne veut pas suivre. Tout simplement, il est réfractaire à la nouvelle politique de la horde de Sylvanas. Il a déjà suffisamment connu ce genre de choses avec, avec Garrosh, avec, avec Orgrim, avec Grommelskrim, etc. Donc il veut plus voir ça. On a l'hommage bien entendu. D'ailleurs ce parallèle aussi m'a rappelé Warcraft 3 Reign of Chaos avec Thrall qui est sur le corps de Grommelskrim et qui pousse un cri de douleur parce que bah voilà c'est voilà, c'est encore pire parce que c'est le cri d'un père pour son fils. C'est encore pire bien entendu et c'est très émouvant. Donc voilà le symbole de la horde qui est en train de brûler, ce qui montre le doute qu'a Sorfang bien entendu et qui représente un petit peu, il y a eu un tel c'est pas ma horde, ceci n'est pas ma horde avec ce qu'a fait Sylvanas, que Sorfang incarne un petit peu les réfractaires de la horde, ceux qui n'approuvent pas les actes de Sylvanas et qui du coup maintenant vont avoir une figure de résistance en la personne de Sorfang. Je trouve ça, et là c'est intéressant parce que si vous connaissez un petit peu Warcraft 2, vous connaissez ce genre de choses normalement. Ou même WoW, hein, dans WoW aussi, c'est le blanc en fait chez les orques. Le blanc, c'est représentant de la, c'est une représentation de la mort en fait. Et quand il se met justement des peintures de guerre comme ça en blanc, ce n'est pas pour rien. Rappelez-vous que la figure illustre qui avait ce genre de choses, mais qui recouvrait tout le visage, c'était Ner'zhul. Et Ner'zhul, c'était tout simplement le chaman, chaman sorcier de la Horde, qui a été chef de guerre d'ailleurs, hein, temporairement de la Horde, et qui est devenu le roi Lich, le dieu de la mort, en somme. Donc, quand les orques mettent ce genre de tatouage, c'est qu'il y a la mort. Alors justement la grande, enfin qu'il y a un gros lien symbolique avec la mort. Ce qui est très intéressant parce que Sorfang sait que cette bataille va être perdue. Donc il y a deux manières d'adopter, de voir le point de vue. Il enlève son armure et se rend vers les positions de l'Alliance. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est qu'il a une hache. Il a sa hache dans les mains. Du coup il y a deux théories possibles. La première c'est... Il fait défection. C'est la première auquel j'ai pensé, moi, c'est il fait défection. C'est-à-dire que il a décidé de quitter la Horde et de se rendre à l'Alliance. Il a jeté le symbole de la Horde dans le feu, symbole de son fils, etc. Ce qui fait qu'il a perdu foi en la Horde et il veut se rendre du côté de l'Alliance. Il veut se rendre du côté de l'Alliance et que pour lui, du coup, ses tatouages seraient juste bah, la Horde est morte, vive la Horde. Mais voilà, moi, je ne peux pas cautionner ce genre d'agissement qui se passe en ce moment. Du coup, je me rends auprès de l'Alliance. L'autre point qui est possible aussi, c'est tout simplement que il veuille arriver dans le camp de l'Alliance et mourir en fait, se laisser mourir tout simplement avec sa hache, parce que sinon il irait sans hache. Donc avec sa hache, en dernier guerrier, de manière de son côté isolé, parce que il veut pas être général, il veut pas diriger cette horde là, il veut mourir comme un vieil orque solitaire. C'est l'autre possibilité, du coup la mort d'un guerrier on va dire, c'est l'autre possibilité. Le fait qu'il enlève l'armure, honnêtement je suis... Les deux sont tout à fait possibles. Le fait qu'il se rende serait peut-être le plus cohérent, le plus probable je dirais. Mais d'un autre côté, on pourrait tout à fait voir ici l'acte d'un dernier, l'acte d'un orc, d'un vieil orc qui veut mourir par l'épée, par le fil de l'épée, pas par autre chose, on va dire. Et à côté de ça, donc Zappy, le petit troll qui débarque, qui lui dit bah écoute, moi je viens avec toi, quel que soit le truc, je viens avec toi. Donc sachant qu'il sait pas forcément ce que va faire Sorfang,
Sorfang qui lui dit va voir ton père. Premier choc pour Sorfang, puisque Sorfang est clairement dans sa décision. Sa décision est prise, il veut quitter la Horde. Et là, Zappy qui lui dit oui, non, mon père est mort en fait. Et il lui avait dit bah voilà, mon père a combattu à vos côtés, etc. Il m'a raconté toutes vos légendes, tous vos souvenirs. Et là, premier choc pour Sorfang. Merde, enfin ouais, son père est mort et tout. Il a un destin tragique. Moi, je pensais que c'était un jeune trou du cul, etc. Ah non, il a perdu son père pour servir la Horde, etc. Et ensuite, il commence à dire voilà, il est mort, et ce qui va le choquer, c'est qu'il va se dire t'essayes de me faire la morale, fils, alors que tu, enfin voilà, c'est ta première bataille, t'as rien vu, Nico, t'as rien vu, et moi. Et moi, je suis un vétéran, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi, ne commence pas à me faire la morale. Il le prend très mal. Et ensuite, il dit abandonne. Et il lui dit comme vous. Et là, c'est la troisième attaque directe en plein cœur, c'est toi, t'as abandonné. Il comprend ce qu'il est en train de faire, Sorfang. Comme un petit peu, encore une fois, l'incarnation du joueur, ce que l'on perçoit, c'est t'es en train d'abandonner. Et il dit oh, voilà, il s'énerve. Et à ce moment-là. Les corps de Lord Aeron, donc les corps morts-vivants, les corps réprouvés. Ou les corps de la Horde, mais ça fait plus réprouvé. Parce que ça fait corps de l'Alliance quand même. Mais du coup, la Horde, la bannière de la Horde qui se dresse. Sorfang a été toujours un général fidèle, hein. Il a quand même servi 4 chefs de guerre différents. 5 chefs de guerre différents avec Vol'jin. Donc il a quand même Blackhand, Grim Doomhammer, Thrall, Garrosh, Vol'jin. Donc oui, 5 chefs de guerre différents. Et Sylvanas du coup sont 6, mais c'était sans l'actuel 6. Mais du coup il a ses devoirs envers la Horde lui a tout donné, lui a tout pris aussi. Et du coup c'est vrai que quand il voit la bannière de la Horde, il est pris de doute et par rapport à ce que lui a dit le fils. Et là ce qui va l'achever, ce qui va lui décider, c'est qu'il a sauvé le symbole de son fils, hein. Et du coup les sentiments, les souvenirs, se battre. Voilà, il faut se battre, tout ça, c'est vraiment le... Et là, ce visage est très bon parce que c'est voilà, c'est le retour à l'ancien temps, enfin c'est le retour à ses devoirs, à ses obligations. Et là, rien que ce bras, c'est merci, en gros, c'est juste merci. Et te battre sans armure, ensuite il y a un peu d'humour. Et la bataille pour BFA commence. La bataille pour BFA commence avec, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment, vraiment le retour à l'ancien temps, les orques de Sorfang. J'aime beaucoup ce... Bon, après, on va remettre ce plan du début, peut-être. Mais j'aime beaucoup le... J'aime beaucoup l'aspect, enfin, pour moi, Sorfang s'achète un peu de charisme. Et ça, c'est important. C'est pas l'orque le plus charismatique. C'est clairement pas l'orque le plus charismatique que j'ai pu connaître. Mais... Enfin, il rentre dans la lignée pour moi des grandes figures de la Horde. Donc des grandes figures de orc, pardon, de la Horde. Et c'est vrai que, enfin, les orcs ont un vrai leader, j'ai envie de dire. Même si, bon, c'est Thrall, malheureusement, scénaristiquement, reviendra. Bien sûr, il reviendra faire coucou de temps en temps. Mais Thrall, le problème, c'est que les agissements actuels, si de la tyrande, du Melfion et du Thrall agissent véritablement en pleine possession de leurs moyens... Ça change beaucoup de choses. Donc c'est vrai que Malfion, Tyran et Thrall ont ce côté bâclé, ce côté très très maltraité. Mais c'est normal, c'est parce que sinon scénaristiquement, bah ça casse des possibilités. Malfion, il est plutôt défenseur de la paix, Thrall aussi, si tu les mets tous les deux chefs. Et qu'en plus ils ont un pouvoir extraordinaire, bah tu peux pas faire de ce genre de choses en fait. Juste BFA ça ne pourrait pas sortir en fait. Donc ce qui crée des incohérences bien entendu, mais... Les orques ont besoin d'une figure de proue pour les représenter. Et enfin Sorfang... Maintenant à gagner mon respect. Et ça c'est quelque chose hein, pour ceux qui savent que je suis assez réfractaire à ces, justement ces sous-personnages qui ont été créés. Je trouve que ça y est, Sorfang ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et surtout que voilà, je trouve que Sorfang incarne vraiment la Horde depuis le début en fait. C'est vraiment, il incarne la première Horde, la deuxième Horde, la troisième Horde, enfin toutes les Hordes. Et ça c'est vachement intéressant pour l'après. Du coup, bien entendu, j'imagine que vous posez la question. Je vais spoil un petit peu ici, mais la bataille de BFA, donc l'intro que vous voyez de BFA, est perdue par la Horde et gagnée par l'Alliance. Lord Aeron sera récupéré, la capitale sera récupérée par l'Alliance et Sorfang sera fait prisonnier. Donc Sorfang prisonnier, il va se rendre à l'Alliance une fois la bataille terminée. Une fois que la bataille est terminée et qu'ils ont perdu la bataille, il se rend et dit de toute façon Sylvanas n'a pas d'honneur, blablabla. Donc...
beaucoup se posent la question, puisqu'au début de BFA, en gros, Sorfang est côté Alliance, enfin pas du côté Alliance, mais il est prisonnier côté Alliance. Il va être libéré, mais en gros, il ne suit pas du tout. Il a décidé de ne pas suivre la politique de Sylvanas. Donc c'est vrai que beaucoup de choses, enfin beaucoup de questions se posent. Est-ce que Sylvanas deviendra bien la Garrosh 2.0 et Sorfang deviendrait la figure de proue, le patron qui prendrait la relève? C'est vrai que Vol'jin, lors de la fin de Mist of Pandaria, Vol'jin qui devient chef de guerre, c'était un peu sorti du chapeau. Après, pour ceux qui suivent, il y avait eu des livres, etc. Et c'est vrai que Vol'jin, ça fait un moment qu'il était dans la Horde. On a eu Vol'jin, on a eu Sen'jin, on a Bane, on a eu Kern. Il y a des grandes figures de pro aussi, hein, du côté de la Horde. Mais c'est vrai qu'au niveau Orc, on en avait plus beaucoup. Et Sorfang, est-ce qu'il deviendrait le résistant de la Horde? Personnellement, j'ai préféré voir du neuf, du sang neuf, comme pour l'Alliance avec Anduin. Si jamais il devait y avoir un nouveau chef pour remplacer Sylvanas, je pense que ça devrait plutôt être Bane. Mais, comme vous le savez, je ne pense pas, ou alors ce serait un très mauvais traitement fait de la part de Blizzard, je ne pense pas que Sylvanas deviendra la Garrosh 2.0. Donc, je pense qu'il y aura, réconciliation à un moment entre Sylvanas et Sorfang. Peut-être que Nathanos aura un rôle à jouer, peut-être que Bane aura un rôle à jouer, peut-être que Rokkan aura un rôle à jouer dans ce rapprochement. Rokkan, hein, peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas qui c'est, ça me fait pleurer. Mais c'est celui qui va remplacer Vol'jin chez les trolls Darkspear, les sombres lances. Mais du coup, je rappelle que Vol'jin, lui, sera bien présent à BFA. C'est devenu le Qui-Gon Jinn, et c'est l'esprit qui va guider la Horde, etc. Qui va rapprocher les Andalari de la Horde. Donc, ça c'était pour la partie spoil, mais c'est vrai que beaucoup de questions concernant l'avenir de Sorfang par rapport à Sylvanas. Beaucoup espèrent voir du coup Sorfang maintenant chef de guerre et on va dire faire un coup d'état pour remplacer Sylvanas. Je pense pas que ça arrivera. Je ne pense pas que ça arrivera. Peut-être. En tout cas, Sorfang est clairement en phase. S'il devait y avoir des élections, Sorfang deviendrait chef de guerre de la Horde. Hein. Clairement, là, il a l'opinion publique de son côté et. Mais ça fait plaisir enfin que Blizzard reçoive les orques. Parce que très souvent on dit oui, Blizzard préfère la Horde, tout ça. Je suis pas d'accord avec ça. Mais beaucoup de choses montrent aussi l'Alliance. Hein, Légion, il n'y a aucun représentant de la Horde dans le conseil dirigeant de Légion. Je veux dire, Aleria, Turalion, mince, j'ai pas le droit. Khadgar, même Illidan, les Elfes de la Nuit, ils sont dans quel camp? Ils sont Alliance. Alors oui, c'est des Illidari, mais il n'y a jamais eu les véritables Illidari en faction jouable. Donc c'est que des personnages de l'Alliance. Et en l'occurrence, même dans Wrath of the Lich King, c'est Tyrion. Sylvanas n'a pas mis le coup de grâce. Enfin, moi, j'ai pas envie de commencer ces débats, mais faut arrêter de dire que c'est toujours la Horde. C'est pas pour rien qu'il y a deux équipes séparées, une Alliance, une Horde. Après, c'est peut-être qu'il y en a une qui fait un meilleur boulot que l'autre. Mais non, mais en vrai, il y a les deux qui sont représentés. C'est des conneries de ne voir que le côté Horde. Mais ce qui est sûr, c'est que ça faisait un moment, malgré ce qu'on pense et ce qu'on sait que Blizzard adore les orques, ça faisait un moment qu'on n'avait plus d'orques, vraiment avec un orque badass avec du charisme. Et c'est vrai que bah, Sorfang, ça fait du bien. En tout cas, voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira au niveau du debrief. Si vous avez connu Warcraft 2, Warcraft 3, je pense que cette vidéo vous plaît. Si juste vous avez connu WoW, je pense que cette vidéo vous plaira aussi. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir toutes les histoires d'un héros, hein, toutes les vidéos de lore que je peux faire sur Warcraft, sur Diablo, sur Overwatch, sur Starcraft, Overwatch, Diablo, Warcraft, tout simplement. N'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans Lexus.